li di débarrasser ou, dépouiller ou. Amen. Très bien. Combien de monde qui t'a des messages là? Débarrasser ou, dépouiller ou. Avant nous prêcher, nous avons remercié le Seigneur qui permet que nous venions là matin. Hein? Et moi, dis bon Dieu merci, Pasteur Jean. Sœur Florence où est là, c'est un pasteur. Lui prêchait bien. Moi, j'ai fait contact avec lui pendant mon entrée aux États-Unis, New York. Lui a prêché dans l'église de Dieu Galilée sur notre avenue, Pasteur Métayer. Et il prêchait un message que je n'ai jamais oublié. A new me. Pas vrai, Pasteur Florence? C'est un bon prédicateur de l'évangile. Et moi, je suis content que il est venu là. Et lui dit, Pasteur, je suis venu pour me bénir pendant que je prêche. Donc, moi, j'ai une bénédiction sur Florence. Comme les anges m'ont dit, voyez, pour prier pour nous. Et pour que nous soyons capables de bénir davantage. Amen. On va ouvrir Bibou avec moi dans Matthieu chapitre 19, versets 16 à 29. Matthieu 19, versets 16 à 29. Nous l'avons. M'a pli pour vous, mais on va suivre attentivement. Et voici, un homme s'approcha et dit, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels lui dit-il? Verset 18. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples ayant entendu cela furent très